Regarde, c'est le bateau de Len. Oh, il faut qu'on le rattrape. Tu sais où il va? Oui, chez nous. Notre mère se trouve là-bas. Est-ce que c'est loin? C'est l'autre côté de l'île. Merde. Et si on se fait repérer? On va éviter les grosses routes. Personne ne nous verra. T'es sûr que les Wolves vont attaquer cette nuit? Ouais, c'est un ami qui me l'a dit. Ils vont profiter de l'orage pour passer inaperçus. À moins qu'Isaac change d'avis. Votre chef, Isaac, qu'est-ce qu'il veut? Mettre fin à la guerre. Oui, mais à quel prix? Au point où on en est? À n'importe quel prix. Et bienvenue du coup dans l'épisode 24 de notre aventure. Va réussir à monter? Oula! C'est le plus rapide. Nous sommes sur l'île d'Escar, ça y est, on y est enfin. Ce soir donc aura lieu l'attaque des Wolves. Et avant cela, on tente du coup de récupérer Lev qui est parti du coup rejoindre sa mère, mais apparemment ce serait l'équivalent d'un suicide au vu de la situation actuelle. Donc Abby est toujours motivée à lui sauver la vie, hein. Elle ne fait que ça là depuis 2-3 épisodes. Elle est devenue gentille, on ne peut plus l'arrêter. Abby, je fais le plein de matos. Juste au cas où. Bah là c'est vrai qu'il y a... Oula, j'avais pas vu ça. Pas mal de choses dans le camion. Oh, merde. Est-ce que tu le connais? Juste de vue. Je suis désolée. Pour tes amis. C'est comme ça. Alors, Scott et moi vont débarquer sur la côte. Aucune résistance directe. Plus grande concentration de structures du côté sud, ferme au nord et à l'est, ce qui semble être un camp de bûcherons. D'accord. Attendons la tombée de la nuit dans une vieille bâtisse au centre de l'île. Les scars ne sont pas encore rasés et reconstruits ce secteur. Non, pas encore rasés et reconstruits ce secteur. Bon point de rendez-vous. Ok, j'imagine qu'ils se sont fait découvert. Ils sont effroyablement nombreux, ça dépasse de loin ce qu'on imaginait. Ville fortifiée, patrouille fréquente, bien régulée. De retour au point d'embarquement, nous avons trouvé un bateau s'aborder dans l'océan complètement détruit. Ils savent que nous sommes là. Abby. Eh bien. Pourquoi est-ce que tu nous aides? Lev m'a posé la même question. C'est juste que vous méritez pas ça. Et puis, je sens que j'en ai besoin. Je dois le faire, c'est tout. Alors attendez, on va regarder ce qu'il y a en face. Bien entendu, ça a l'air assez incroyable. Mais juste avant, ça fait longtemps. Bloquez votre respiration, rampez plus rapidement. Kit médicaux un peu plus efficace. Allez hop. On prend ça. Améliore la stabilité et la précision quand vous vous déplacez. Donc ça, ce serait vraiment bien. On va économiser encore un petit peu. Regardez-moi ce village-là. Wow. C'est quelque chose, hein. C'est votre village? Non, ça, c'est Even. Le nôtre est plus loin dans les terres. Par là ou pas? En tout cas, très très beau village. Et j'ai l'impression... Ah, voilà. Il fallait... On était obligé de profiter de la vue, en fait. On n'avait pas le droit de passer tant qu'on n'avait pas profité. Oh non. C'est quoi ça? C'est notre signal d'alerte. Les Wolves sont là. Déjà? L'île est en alerte maintenant. Il faut qu'on se dépêche. Tu fais chier, Isaac. Quelle histoire. On est passé par le camp des bûcherons. Suis-moi. Combien de personnes vivent ici? Un millier environ. Et combien de soldats? La moitié d'entre nous a été en premier combat. On se fera l'autre moitié quand les Wolves vont débarquer. Certains iront se cacher, mais les autres vont se battre. Ça va être un vrai massacre. Les deux factions sont énormes en fait. Elles y gagneraient tellement à ne pas s'affronter comme ça. Enfin, quand on voit le village, franchement, c'est joli, quoi. Ils ont accompli quelque chose d'assez incroyable ici. Regardez-moi ça. Enfin, on serait dans Skyrim, mais c'est fou de se dire ça. Je vais rentrer dans la maison. Ils ont déjà sonné l'alarme, de toute façon. Donc bon, à partir de là, on dirait qu'ils ont abandonné le truc en vitesse, là. Ah, bah tiens, c'est les pilules qui me manquaient, ça, non? Ouais, voilà. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Un peu plus précis en se déplaçant. Ça peut être bien, ça. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Distribue le gibier comme suit.
Auguste nous a réclamé la peau, il nous a promis qu'en échange, il demanderait à Ezra de nous forger de nouveaux couteaux à désosser. Ok, c'est un petit truc sur l'histoire, enfin, la vie du camp. Ils sont allés se battre. Ils sont partis vite! On n'a même pas eu le temps de les croiser, quoi. Même pas eu le temps de s'amuser avec eux. Bon, d'un autre côté, on va pas tuer non plus les... Enfin, je sais pas. Si, j'allais vous dire, on va pas tuer les... La faction, du coup, de Yara, mais en fait, carrément, en fait. J'ai vu quelqu'un sur un arbre, là-bas. Je veux pas trop vous inquiéter, mais préparez-vous, psychologiquement. Il y a quelqu'un accroché à un arbre. Et spoil, je pense pas qu'il soit vivant. Ah mais non, il est sculpté, waouh. Quand tu es dans les ténèbres, cherche la lumière. Qu'est-ce que tu dis? Un truc que mon père disait souvent. Ok, j'ai un silencieux là-dessus, j'étais même pas au courant. Hop, voilà. Eh bien écoutez, on est paré. On est prêt à nouveau pour toute éventualité. Ah mais attendez, faudrait pas pousser ou tirer ça là. J'entends du monde là. Hein. Regardez le nombre de ressources qu'ils nous offrent quoi. Et apportez-les dans l'abri! Vite! Oh, c'est pas bon. Comment on peut passer? Le portail sera fermé. Par la scierie. Le grand bâtiment à droite avec les torches. Ça mène vers l'extérieur? Oui, on peut couper par là. Parfait. Ok, comme prévu, il y a du monde sur le chemin. Ok, je voulais voir s'il y avait des trucs à récupérer. Donc vu qu'il faut aller à gauche... Je ne suis pas prête. La première balle a toujours du mal, hein, avec cette arme. Bon, je pouvais l'assassiner, je pense, mais... On va pas prendre trop de risques. On peut passer dans l'eau, là. Ouais, il y a moyen de rentrer dans le bâtiment, ici. J'ai peur que sur ma droite, ça me repère, là. Hop, 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 hop. Est-ce qu'elle va venir dans la maison, elle? Abby, vers la droite. Ta gueule. Qui me voit? Ok, non, c'est bon. C'est le mec à droite qui fait patrouille. Petite roulade. Ok. Du coup, on est bien pour l'instant. Il me reste encore une balle. Que je serais bien tenté de mettre sur... peut-être sur lui, là, en vrai. Ouais. C'est chaud, hein. Je sais pas, il y a le mec à droite qui me surveille aussi. Ok. C'est un peu tendu ici. Je pense qu'il y a moyen de passer sur la gauche maintenant que j'ai éliminé ce personnage. Ah, là, il y a quelqu'un en plus. Il n'était pas prévu dans le plan là-bas. Ok, honnêtement... C'est pas mal. Chut,
Je crois qu'il a vu le cadavre. Du coup, il va s'en approcher. Ce qui nous arrange. Voilà. Ah, ça fait plaisir des petites séquences comme ça. Ça fait plaisir. Alors là. Il y a clairement quelqu'un sur la gauche. Attendez, je peux peut-être rentrer en passant par là. Ce sera peut-être... Je sais pas en fait où est la personne qui m'a repéré. Oh. Je sais toujours pas, hein. Qui m'a vu ? C'est compliqué. Je vois pas du tout qui pourrait me repérer en fait. Ah, y a pas un garde sur les hauteurs là-bas ? Voilà, ok. Y a un garde sur les hauteurs, mais pas là où je pensais. Très bien. Ok, ce qui serait bien du coup, ce serait de la tuer elle. Voilà. Et maintenant, bah il reste que lui, hein. Oh oh. Il restait pas que lui. J'ai eu chaud. J'ai eu très chaud. Ok, le dernier, je pense qu'on n'est pas obligé de le faire. Ah, c'est pas le dernier apparemment. Ils sont encore deux. Il y en a un autre là-bas. Je vais quand même essayer de les tuer. Je pense qu'on peut passer même s'il va me voir. Voilà. Et lui, ça devrait vraiment être le dernier cette fois-ci. Attention, il va passer à gauche ou à droite? Je dirais à droite. Ah, ça m'arrange pas. Si, c'est bon. Heureusement qu'il y a personne sur les tours, parce que sinon vraiment l'infiltration aurait été très compliquée. Mais là, c'était rudement mené, écoutez. Hop, il y avait une petite flèche qui traînait. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. C'était dingue. On se rapproche. Franchement, c'était... J'ai rarement fait un truc aussi joli, hein. C'est assez impressionnant ce qui vient de se passer. Ah, super! Exactement ce que je voulais. Hop. Hop. Là, l'arbalète, ça nous a sauvé la vie. On peut peut-être traverser, non, je pense pas. Suis-moi, par là. Écoute, j'arrive deux secondes. Laisse-moi me casser deux, trois chevilles. Ok, là on peut pas récupérer. Allez, très bien. Ouais, donc merci l'arbalète. Hein. On va la garder en main pour la suite. Allez, c'est parti. Je pense pas que les wolves soient encore au centre de l'île, donc c'est pour ça que c'est assez calme ici. On n'entend pas de coups de feu ou... Ah, quoique, regardez. Oh là là. Yara, il faut y aller. Ils sont tous là. Qu'est-ce que tu fous? C'est du suicide, en vrai. Eu chaud. On peut le dire. On peut le dire. C'était vraiment limite. Au camp des bûcherons. Où est-ce qu'ils emmenaient les enfants? Ok, ça tire, ça tire. Yara, c'est que tu te rapprocheras la prochaine fois que tu as un truc à nous dire. Histoire qu'on comprenne quand tu parles. Merci.
Attendez, j'ai des trucs en trop là encore. Oh, c'est un peu incroyable cette histoire. Ah, ça c'est bien ça. Ok, et d'ailleurs côté pilule, j'en ai récupéré encore plein là, j'ai l'impression. Ok, non, en fait on est bon. Je crois que j'ai tellement bien looté que honnêtement, j'ai plus grand chose à... Même à améliorer, vous voyez, on va prendre le temps là, on va améliorer une dernière fois, je pense. À mon avis, c'est la dernière séquence d'amélioration d'armes, mais je sais même pas ce que je vais améliorer en fait, pour vous dire. Donc à la limite, peut-être la cadence de tir, non. Capacité, pourquoi pas, mais encore, j'ai pas assez de balles puisque je suis en mode difficile. Rafale de tir, ça m'intéresse pas. Il y a que la vitesse de rechargement là qui m'intéresse. De l'arbalète. Bah d'ailleurs, vu le prix que ça coûte, voilà, hein, j'aurais pas trop le choix. Mais... Ce sera le seul ajout que je ferai. Je sais pas ce qu'elle a ajouté sur la... Ah, c'est pour mettre les flèches juste à côté, d'accord. Bah voilà, parfait. Enfin, je pense, hein, c'est ça, une sorte de mini carquois intégré. Mais oui. C'est clairement, voilà, la dernière amélioration. Et regardez ici, il y a une sorte de mini-église qui est carrément stylée. Vraiment classe. Hein. Du soin. Petite statuette. Bon, je vais récupérer aussi le texte, même si... Bon, leur délire de texte religieux, vous avez vu, ils ont accroché plein de petits symboles. S'il vous plaît, protégez-le. Ouais, voilà. Bon. Merde. En lecture ultra rapide, en gros, ça parlait des wolves qui ont fait de méchantes choses. Bon, je pense que c'est par là, notre destination suivante. Notre village est de l'autre côté de ces champs. Parfait. Allez, on est vraiment pas loin, là, alors. Par contre, les champs, c'est pas les trucs les plus simples à traverser. La tour. Ok, attendez. Comme d'habitude, je commence à comprendre ce qu'ils veulent de moi dans ce genre de séquence. On contourne. Il y a quelqu'un à gauche là. On aurait pu aller à gauche et tenter d'assassiner le mec. Mais j'ai envie de m'occuper des deux mecs dans la maison là. Ok, une petite brique. Je sais pas s'ils peuvent me repérer ou pas. La vraie question étant, comment faire pour les avoir eux? Ils sont tellement proches l'un de l'autre. Ah, ils viennent de se séparer là. Ah, il bouge. C'est le genre de... Je savais pas que ça existait, ça. J'arrivais pas à le déplacer, lui. Ah bah, j'ai eu chaud, hein. Je savais pas qu'il y en avait qui pouvaient résister au point de... Oula. Ouais, j'étais un peu greedy, là. Se déplacer au point de ne pas pouvoir être assassiné, finalement. Y'a un mec, là? Ah ouais, y'a un mec, là. J'y vais assez violemment, vous voyez ça, mais d'un côté, on a récupéré beaucoup de ressources. C'est la galère, je suis obligé de sortir par là. Non, arrête. Si, je suis obligé en plus. J'ai pas pris le meilleur endroit finalement. Tant que le mec à gauche nous capte pas, ça devrait aller. Les champs avaient l'air pas mal pour se camoufler. Lui, il est un peu loin pour l'assassiner quand même. Même avec un pistolet, je pense que ça le fera pas. Par contre, c'est super intéressant parce que là, le gars à gauche ne regarde absolument pas vers nous.
t'inquiète pour rien. Les Wolves n'ont pas pu arriver plus loin dans les ponts. Et si tu te trompais? Ils veulent nous protéger. Ouah, ils sont trois! Mais toujours plus, quoi! Oh, la galère. Après, je vous me dirai, j'ai trois balles, hein. Dans la théorie! Oh, c'est tellement tentant, en plus. Vous me connaissez, hein, moi, les explosifs. Si lui, à la limite, si lui tourne la tête, je tente une balle. Mais j'ai pas l'impression qu'il va tourner la tête. Ah, quoique. Ouais, non, là, il peut nous voir. Hein. Pff, c'est ridicule. S'il vous plaît, quoi. Ah, ça fait du bruit quand... Allez, c'est parti, là. La discrétion, c'est fichu. Enfin, je crois. Non, ils nous ont pas vraiment vus, en fait. Ils savent pas ce qui se passe. J'aime bien cette notion, d'ailleurs, dans le jeu. Il y a une certaine subtilité entre se faire repérer et... Voilà, et là, on s'est vraiment fait repérer. Mais vu qu'on avait bien nettoyé... Sors ta petite tête. Allez. On est très très mal. J'avais pas vu qu'ils étaient autant me contourner là comme ça. Ouah, mais laisse-moi deux secondes, toi. Voilà, ça va être tendu. Hein. J'ai pas le temps de changer d'arme. Tiens. Elle m'a pas laissé le temps, quoi. J'y crois pas. Ils sont vraiment chauds, hein, ça, avec le marteau. Tu ferais mieux de courir. Oui, bonjour. Bon, écoutez, c'était pas... c'était pas spécialement discret sur la fin, hein, on est d'accord. Faut qu'on aille au village. Je pensais pas qu'il restait encore deux personnes dans mon dos. J'ai vraiment sous-estimé leur nombre ici. Ils étaient, mais... extrêmement nombreux, c'est incroyable. Le jeu essaie de nous pousser dans nos retranchements. Mais en même temps, vous voyez le nombre de ressources qu'il nous donne. Donc clairement, les mecs, ils étaient en mode, c'est impossible. On a fait une séquence qui est impossible. Du coup, on va leur donner quelques petites récompenses. Parce qu'ils vont forcément foirer. Bon, après, c'est jamais impossible, hein, mais là, pour le coup, tendu quand même. Mon arme, ok, silencieux. Bah écoutez, on peut encore faire des balles de fusil à pompe. Et on a encore quelques carreaux. Ah, je peux en mettre deux dans mon arme maintenant. D'accord, ça c'est bien ça. Super. Mais là, je pense qu'on a fait la séquence, la plus grosse des séquences. Ça m'étonnerait qu'il nous rebalance encore 25 gars dans la figure. Pas par là. Ils vont nous voir. T'aurais pu le dire avant que j'essaie d'ouvrir. Peut-être, non? Tu veux monter? Ouais. Ah, très bien. C'est ici. Allez. Ton bras, ça va? Pas vraiment. Par là. Alors, je ne sais pas ce que je viens de récupérer. Ouh, ces petits poissons là qui sont en train de faire sécher. Magnifique.
Voilà, les pilules, on en a encore, mais comme jamais. Là, elle confectionne plus de suir, hein. Ça, ce serait bien. Hein. Ok. Qui nous a empêchés, on peut pas les tuer. Bon, je l'aurais pas fait, mais... C'est ça? C'est la maison, là? Allez. Allez-y. Yara, je... J'aurais jamais dû... T'en fais pas. Je suis contente qu'on t'a trouvé. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Les wolves? Ils ont envahi l'île. Ça va aller. Elle nous protège. On devrait pas aller chercher le bateau. Non, j'entends des coups de feu là-bas. J'entends des coups de feu partout. Il y a plein de bateaux à Haven. C'est à ça que je pensais. On peut couper par la vieille ville. Il faut éviter les routes principales. C'est loin, Haven. C'est pas tout près, mais c'est notre meilleure chance. Continue à nous suivre. Ok, allez-y. Bon. Ce qui s'est passé ici est assez... assez dramatique. Je vois qu'Yara, ça l'a pas tant chamboulé que ça, finalement. De voir sa mère morte comme ça, mais... C'est normal que Lev s'en veuille autant. Y a pas un petit truc à récupérer, là? Non. Donc la direction Haven, apparemment, qui était la ville où on a vu n'empêche tous les bateaux foncer dessus, donc je suis un peu dubitatif face à ce plan, mais... Oh, un petit lapin. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Ils sont tous partis combattre les wolves. Ouais, apparemment, y a rien. Ouais. Oh là là, cette ambiance. Il y a des bâtiments qui ont l'air un peu plus anciens, vous voyez là-bas. Enfin, je pense que c'est pas des constructions du coup des Scar. Donc là, on a encore quelques petits composants. À mon avis, il va y avoir sûrement 2-3 petits affrontements supplémentaires qui nous attendent. Le temps d'arriver jusqu'à la ville. Je me demande si on va même affronter des wolves ou pas. Honnêtement, je pense pas quand même, mais tout est possible finalement. 100% de vitesse, attendez, qu'est-ce que je voulais prendre moi? Alors ça peut être bien pour faire des surins en plus là. Je me suis souvent retrouvé à court de surins. Je peux toujours pas en refabriquer d'ailleurs, c'est bien dommage. Non, bah, ton bras. Ça va, je suis juste fatiguée. Yara, maman avait vraiment la foi. Je sais. Alors, pourquoi il a fallu que ça lui arrive? Avoir la foi ne rend pas immortel. La vie est une succession d'épreuves. Et Yuki... Attendez, j'ai entendu du monde. À l'intérieur, vite. Ça va être compliqué. Je vais garder l'arbalète et on va voir ce qu'on arrive à faire. Oui, il y a du monde.
Après, ils ont l'air d'être sur la gauche, dehors. Quoi. Ok, donc les wolves sont déjà rentrés assez loin dans les terres, hein. Ils sont déjà là. Hop. Sous la porte, vite. Sous la porte, ouais, ok. Mais filez-moi des ciseaux, je veux juste des ciseaux, c'est pas possible ce jeu, quoi. Il me les donnera jamais, quoi. On est en train de les abandonner. On peut rien faire pour eux. Je sais. Ah bah là, oui. Reste près de moi. Ok. C'est drôle parce qu'en fait, on a un peu des hors-factions, que ce soit eux ou nous. Ouh. Il faut quitter la rue. C'est violent ce qui s'est passé ici. Lev, Abby, par là. Oh. Il y a du monde là sur la gauche là. Où est-ce qu'on retrouve le groupe d'Isaac? Ok, donc ils sont autour de la capitale, hein. Si vous lisez là. Isaac est pas bien loin, apparemment. Est-ce qu'on peut les éviter, ces types? On va peut-être pas mettre la lumière. Ok. Bon, on loot là, depuis tout à l'heure. C'est assez généreux, toujours pas de ciseaux, mais... On va pas non plus se plaindre. La ruelle de l'autre côté. Mais ramasse. Dis donc, c'était bien compliqué de ramasser ces balles. Ok. Ça tire non loin. J'ai l'impression qu'on se rapproche, hein, de plus en plus. Hein, on a besoin de toi. Des affrontements. Encore une fois, j'aime beaucoup l'ambiance qu'ils arrivent à nous transmettre dans ce genre de situation. On y va. Il reste des wolves dans le coin. J'en sais rien. Avance, c'est tout. Ok, là, il y a... Ah, si, attendez. Parfait. Alors, je pense que ça, à la limite... Ouais, je peux faire un silencieux. Mais du coup, ça va me coûter un tissu, ce qui est tout à fait gérable. On part sur le silencieux, du coup. Lara. Franchement, il n'y a absolument rien dans cet endroit. C'était quoi, d'ailleurs? Aucune trace de... Allez, Abby. J'en ai un. Lara. Abby. Lara. Lara, debout. Écoute-moi, venez. Lara, je t'en prie. Eh, faut-toi y aller. Non. Allez. Non. J'ai vu quelqu'un. Je peux pas la laisser ici. N'approchez pas. Lâche ton arme, allez. Oh, merde. C'est Abby, vous approchez pas! Ça suffit! Isaac. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Il faut que tu m'écoutes. Qui tu caches derrière toi? Il m'a sauvé la vie. Écarte-toi, on discutera à la base. Il est pas avec eux, je te le jure. Écarte-toi. Mais putain, c'est un enfant! Tu as 3 secondes pour t'éloigner de ce Scar. 1. Tu vas vraiment me tuer? 2. Je bougerai pas, compris? Non! Putain de merde! On doit y aller. Elle est morte. C'est pas...
pas vrai. Elle est morte. Lève, allez. C'était ton putain de groupe. C'est toi, mon groupe. Écoute-moi. Il va falloir qu'on se batte pour s'en sortir, ok? Et ensuite, il faut que tu nous mènes au bateau. On laissera personne nous arrêter. Ok? Ok. D'accord. Suis-moi. Ah, c'est chaud! Ah, je vous avoue que... Non! Mais c'est terrible! Mais je m'attendais à tout sauf ça. Ah là, je suis choqué. J'ai tout ce qu'il me faut. Pauvre Yara, quoi. Non, mais même Abby, en fait, finalement. Enfin, je veux dire, y a rien qui va dans cette histoire. C'est... C'est vraiment terrible, quoi. Tous ces affrontements, c'est... La surenchère, encore et encore. Alors que finalement, il y a aucune raison quoi, que tout le monde s'entretue comme ça. Attendez, j'ai 5 carreaux dans mon arbalète ? La vache, je savais pas que je pouvais faire ça. Mais écoutez... Abby ! Wow, j'ai eu tellement chaud là. J'allais vous dire, nous sommes partis et là, bam ! Je les ai vus se diriger par là ! Ah bah la batterie, c'est pas le moment, hein. Je sais pas si je pouvais les esquiver, honnêtement. Du coup, je vous avoue que là, j'ai foncé. Oh. Ouh, ouh, ouh. Oh. Mais la violence ! Hey ! Allez ! Cette arme est vraiment forte. Hein. Bon, à partir de maintenant, par contre... Elle est là, c'est parti. Ah ! Il est sorti plus vite que ce que je pensais ! Ok, c'est bon, il était mort. Tranquille. Attention à vous. Putain de merde ! Mais ça rigole plus, là ! Petite nage improvisée. Ils sont là, quelque part. Attendez, elle m'a pas vu. Oh, mais ils sont là les deux là. Ils sont là les deux, regarde. Hop. Wow. Il y a encore du monde là-haut. Contrairement à ce que je pensais. Le problème étant que j'ai pas vraiment d'armes à distance. Si, attendez, mais si. Je suis bête. Il me reste des munitions là-dedans. Voilà, parfait. Je crois que j'aurais vraiment dû la faire plus discrète cette phase, mais c'est pas grave, écoutez. Oh, je l'avais pas vu, elle. Oh là 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 là. Par contre, c'est joli, hein, ce que je suis en train de leur mettre en soi. C'est vraiment violent. Un peu inhabituel comme façon de jouer, mais... Voilà. Bah écoutez, je pense que là, on a le compte. A priori. Lève, ça va? Tu suis? Oh, vache. Ouais. L'efficacité avec laquelle... Non, j'ai lancé ma boule. Oups. L'efficacité avec laquelle je viens de faire cette phase m'impressionne moi-même, en fait. Ils étaient tellement nombreux. En fait, ça a été... ce qui m'a sauvé dans cette histoire, c'est de ne pas m'être avancé dans la salle. Vas-y, je fouille, je fouille, je fouille. Parce que je pense que si je m'étais avancé davantage, il y en aurait eu derrière moi, devant moi... À gauche, enfin partout quoi. Alors que là j'ai pu les prendre un par un. Ok, bon, j'ai l'impression par contre qu'on sera pas vraiment plus gâté que ça côté munitions. On va prendre. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Peut-être juste fabriquer voilà, un petit surin. Il y en aura plusieurs en plus, on peut en faire trois. Donc c'est parfait.
Et c'est parti. Faut qu'on arrive à quitter cette île. Ok, donc en fait on est clairement... Je pense qu'on est sur la dernière phase hein, avec Abby. Et une fois qu'on aura quitté l'île, on va se retrouver finalement sur la séquence au théâtre. Quand on pense quand même à ce qu'on traversait Lev et Yara, c'est assez... C'est terrible, hein, leur histoire. Ah, ils sont généreux, hein. Ils sont généreux. Je vous rappelle d'ailleurs que j'ai le jeu en difficile depuis un certain temps, ce qui limite tout de même un certain nombre de ressources récupérables. Ok, l'arme, c'est encore bon. C'est sur les munitions que ça devient compliqué, hein. Mais bon. Là, je vois même pas ce que je pourrais prendre comme amélioration, ouais, je... Bah rien en soi. On avait déjà regardé. Les améliorations restantes, c'est pas spécialement celles qui m'intéressent. Ok, on est sur la tour radio. Par ici. Oh, c'est pas vrai. C'est Evan? Ouais. Ce qu'il en reste. Lev, ils sont où les bateaux? Au ponton. Derrière les incendies. Alors il faut qu'on y aille avant qu'il soit trop tard. D'accord? Ouais. Pas question qu'on crève sur cette île. D'accord. Allez, on y va. Eh bien. Bon, eh bien écoutez les amis, je pense qu'après ces quelques séquences mouvementées, on va s'arrêter là. Je pense que ça nous permettra comme ça de se laisser ensuite sur la fuite finalement de cette île, qui devrait nous prendre encore un bon épisode. Vu la distance qu'on a entre nous et la ville. C'était vraiment violent aujourd'hui. Hein. Je me demande si Isaac a survécu d'ailleurs. À mon avis, il est peut-être pas forcément mort. Hein. Il s'est pris une balle dans le dos, mais je pense pas que Yara ait réussi à le tuer. Et c'est vrai que ce personnage-là... on l'a pas trop vu. Et tout d'un coup, le voir se faire tirer dessus comme ça, c'est assez expéditif, assez impressionnant. Ça m'étonnerait pas qu'il nous le ressorte à un moment ou à un autre. En tout cas, j'espère, écouter les amis, que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. On se retrouve rapidement, demain, pour la suite de cette aventure. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde.